Donc, elle fait combien de chevaux, frérot, actuellement? 290. 290. Donc, toi, tu t'occupes des reprogrammations. C'est ça. Tu fais suppression EGR. Dis-moi un peu ce que tu fais, toi. Suppression EGR, FAP, Open Bank, stage 1, stage 2, okay. Stage 3. Ok, ok. Bah, les gars, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Tu fais quelle région? 71. Ouais. Et tu te déplaces un petit peu à l'occasion? Ouais, je me déplace assez régulièrement, de toute façon. Ouais. Ça pète, hein? C'est un retour de flamme, là. Elle crache des flammes, hein? Ouais. On va sortir des trucs, mec. Encore, putain, attends, j'avais le propane manque dessus. Ouais, tu l'as fait. C'était trop. Ah, c'était gros. Du McDo, mon collègue du fond du bois du verre, il m'entendait. Ouais, c'était trop amusé. Ça tue. Ouais. Bah, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaise. On en refera d'autres, hein. Contenu automobile. Tiens, on a une petite BM devant. C'est quoi ça? Série 5. Non, ça c'est un série 3. Ouais. Un 335 peut-être. Il a les deux lignes derrière. Moi ça veut rien dire parce que maintenant t'as des 320 où ils ont les doubles sorties comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. T'es en train de le chauffer là. Les gars, c'est ça qui est fou en fait, les moteurs ils sont incroyables. Même quand t'avais la 350Z à l'époque. Ah, il était phénoménal celui-là. Ouais. Ah ouais, des fois je la regrette. Hein. Ah, tu m'étonnes. Combien de chevaux elle faisait déjà? Elle faisait 300. 300, ouais. Mais bon, 300 chevaux, tu vois le... Ça glisse. Celle-là, tu l'as fait glisser un peu? Ouais, elle a du mal à partir. Ouais. Parce qu'il manque de coups. Ouais. Ouais, c'est tout dans les tours, quoi. C'est ça. On crée un turbo. Alors c'est quoi, futur, les projets là que t'as sur la voiture, ça va être quoi par exemple? Installation des manos. Les manos, ouais. Et après, bah, injecteur gros débit, pompe à essence gros débit. Ouais. Et après, refaire la gestion. Hein. Refaire la gestion et viser 350 à peu près. Ouais, ça serait pas mal. Yes. À 350 chevaux là-dedans, ça pèse combien, tu sais ou pas? Je crois que ça fait une tonne 2 ou une tonne 3. Une tonne 2, donc ouais, ça... Le son de la voiture, il est fou.
tellement pris un coup dans la gueule. Et les gars, je vous montre le compteur quand même, que vous voyez un peu. Donc ça prend 9500 tours minute, les gars, c'est quelque chose. Bah franchement, ouais, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose, les gars. Ça consomme, ça. Ouais, ça consomme. Vas-y, la conso, ça te donne quoi, allez. Le plein, déjà, il te coûte combien? Le plein? Ouais. En éthanol ou en 95? Le plein régulier, tu vois, le plein honnête, tu vois, le plein de 95, allez. En 95, je pense, je dois être aux alentours de 120-130 balles. Hein. 120-130 balles le plein, ça te dure quoi? 100 allez, bornes. Combien? 200. 200 bornes. Putain, c'est incroyable. 200 km, les gars, avec un plein. Bah, c'est ça, hein, il faut ce qu'il faut, hein, tu vois, j'ai envie de dire. Ça, à partir du moment où tu tapes dedans tout le temps dans la zone rouge, ça te tête. Ouais, c'est ça, et puis t'achètes ça, bon, tu fais pas. Tu sais que ouais, c'est un truc qui consomme. Hein, je vais vous mettre dans la description donc le nom de la boîte et ben, dis-nous le nom de ta boîte. Tiens, frère. MC Performance 71. MC Performance 71. Donc voilà les gars.